Salut les cadavres, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va parler imprimante 3D aujourd'hui. Alors, très rapidement, et c'est parce que j'ai résolu un souci que j'ai depuis très longtemps. La résolution de ce souci m'a pris beaucoup de temps et beaucoup de patience. Et on va dire que si ça peut vous éviter à vous d'avoir les mêmes soucis que moi, j'en serais ravi. On va parler aujourd'hui d'extrusion. Pourquoi d'extrusion ? Simplement parce que si vous faites de l'impression 3D, PLA, vous aurez des soucis d'extrusion. De sous-extrusion, pour être précis. Vous en aurez forcément, fatalement, j'en suis intimement persuadé. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il y a tellement de mécanismes qui rentrent en jeu dans l'extrusion, qu'il y en a forcément un qui n'est pas tip-top quand vous achetez la machine. Et donc, vous aurez de la sous-extrusion. Ça ressemble à quoi la sous-extrusion ? Alors, à très haut niveau, ça peut ressembler à ça. Mais à un niveau intermédiaire ou léger, ça ressemble à ça. Franchement, quand on pourrait avoir une paroi extrêmement lisse ou extrêmement bien remplie, le fait d'avoir ça comme modèle au final, c'est super décevant, surtout quand on l'a en permanence. Vous allez donc sur les forums, vous regardez des images et vous tombez sur le fait que vous avez un problème de sous-extrusion. Et là, vous avez tout un catalogue de raisons pour lesquelles vous êtes en sous-extrusion et c'est à vous de trouver quelle est là ou les raisons. Parce que parfois, il y a plusieurs raisons. Si on les énumère, vous pouvez avoir de la sous-extrusion parce que votre plateau est mal réglé. C'est-à-dire qu'il y a trop peu d'espace entre la buse et le plateau, et que du coup le plastique n'arrive pas à sortir en quantité suffisante, donc il y a des manques. Ça peut être à cause de la pression du ressort, le ressort qui coince le plastique et qui fait que le plastique est poussé. Si le ressort est trop faible, qu'est-ce qui se passe ? Le plastique il est pas entraîné, donc le plastique n'avance pas, donc du coup il n'y a pas de plastique qui sort de la buse par moment. Et donc du coup ça fait des trous. Et hop, sous-extrusion. Vous pouvez aussi avoir la buse ou le corps de chauffe. Alors voilà la différence entre la buse et le corps de chauffe. La buse, c'est le truc en bas qui se visse et qui fait entonnoir. Et le corps de chauffe, c'est là qu'arrive le PLA et c'est là qu'il est chauffé et qu'il est rendu tout mou. Et que le fil, en arrivant, appuie sur le plastique tout mou et que le plastique tout mou sort par la buse. Si jamais un de ces deux éléments est bouché par des amas de plastique fondu, du coup, votre plastique, votre fil, quand il arrive, il tape dans ce plastique fondu, il est arrêté, il est stoppé, il est ralenti, et au final, sorti de la buse, de temps en temps, il n'y a pas de plastique. Ça peut être, comme on l'a vu dans la vidéo d'avant, la vitesse d'extrusion. C'est-à-dire que votre machine, elle a une roue crantée qui tourne à une certaine vitesse, et cette vitesse, elle est réglable. Si la vitesse est trop lente, le plastique avance pas assez vite par rapport à ce qui sort de la buse, en fait. Et du coup, dans l'impression, il y a des moments où le plastique n'est pas encore arrivé, donc il n'a pas encore fondu, donc du coup, il sort pas par la buse. Et enfin, ça peut être parce que la température de la buse est pas assez élevée. C'est-à-dire que dans le corps de chauffe, le plastique soit met trop longtemps à fondre, soit ne fond pas vraiment, et du coup, il sort pas vraiment de manière régulière par la buse. Voilà, ça peut être tout ça. Une combinaison de 2, 3, 4, alors si vous avez pas de bol, vous avez les 5, mais au final, votre impression, elle est dégueulasse, et c'est à vous de régler le problème. Et ce que je veux vous dire dans cette vidéo, en fait, c'est qu'il y a un ordre. C'est-à-dire que si vous tentez de régler la hauteur du plateau alors que le problème, c'est autre chose, vous pouvez toujours courir pour régler la hauteur du plateau. Vous voyez, il y a des trucs à vérifier en premier, si c'est pas ça, on regarde le deuxième, si c'est pas ça, on regarde le troisième, etc., etc. Personnellement, la première fois où je me suis dit « bon, j'en ai marre de cette sous-extrusion, il faut que je m'en occupe », je suis tombé sur la vidéo où il y a le calcul de vitesse d'extrusion. Et donc, j'ai fait le calcul de vitesse d'extrusion, bêtement, voilà. On me dit de le faire, je le fais, j'obtiens un chiffre, je le rentre dans la machine. La vitesse d'extrusion
de la Creality Under 3 est à 83. Et quand je fais le calcul, je tombe sur 99. Autant dire beaucoup plus vite. Hein. Alors 99, la roue crantée, elle tourne bien, donc le plastique, il avance vite. Donc y a du plastique qui sort par la buse. Je me dis, bon, bah voilà, ça doit être ça. En route. Sauf qu'en fait, ce score d'extrusion élevé, là, il est complètement erroné. Parce qu'il ne correspond pas à la réalité. Et la réalité, c'était quoi? La réalité, c'était que, de temps en temps, la roue qui écrase le filament de plastique contre la roue crantée, elle ne serrait pas assez. Elle ne serrait pas assez, ça veut dire que, de temps en temps, le bout de plastique, il n'avançait pas. Et je vous rappelle que pour faire le calcul, il faut demander à la machine de sortir 10 cm de fil. Et mais si la roue elle tourne pas, c'est pas que elle met du temps à sortir 10 cm, c'est qu'il y a des moments où il y a des blancs, il y a des temps de vide où le fil n'avance pas. Et quand vous faites votre calcul, c'est le calcul sur la base du fait que la roue elle a tourné tout le temps. Donc ce 99 n'a aucune réalité en fait. Au départ, de mon analyse maintenant, 2 mois plus tard, hein, au départ, j'avais juste un problème de ressort trop faible. Le ressort n'écrasait pas assez le plastique contre la roue crantée. Du coup, quand j'ai fait mon calcul, j'ai obtenu une valeur incroyablement élevée, mais qui contrebalançait le fait que le plastique, de temps en temps, n'avançait pas. Ça veut dire que la buse était tellement remplie de plastique parce que je le poussais en permanence, qu'au final, les moments où la roue relâchait son effort, bah, ça passait discret parce qu'il y en avait plein la buse, quoi. Et ce qui s'est passé, c'est que, il y a quelques semaines, voyant que la roue d'entraînement, de temps en temps, n'avançait toujours pas, ça m'emmerdait de la voir s'arrêter comme ça. Alors, au début, on se dit, bon, pourquoi pas, c'est peut-être logique, peut-être normal. Mais moi, voir la roue crantée qui tourne et voir la roue en face qui tourne pas, intellectuellement, je savais qu'il y avait un souci, quoi. Et c'est là que je suis tombé sur augmenter les épaisseurs autour du ressort pour que le ressort pousse un peu plus fort. Je l'ai fait. Comme vous l'avez vu dans la vidéo d'avant, j'ai ajouté des épaisseurs autour du ressort. Comme ça, le ressort pousse plus la roue d'entraînement et le filament de PLA, il est bien coincé. J'ai accidentellement résolu mon souci initial, mon souci de début février. Je résous mon souci. Le problème, c'est qu'en résolvant mon souci, tout ce que j'ai mis en place pour contrebalancer le souci, ça devient des mesures beaucoup trop violentes. C'est-à-dire que maintenant que mon fil de plastique est correctement entraîné, ma vitesse d'extrusion qui est très élevée, ben elle fait quoi? Ça fait que le plastique est en permanence poussé à fond dans la buse. Moralité, ma buse s'est bouchée et mon corps de chauffe s'est rempli de plastique. Et alors là, je vous assure qu'une fois que ça arrive, le fil il sort plus du tout, c'est-à-dire vous pouvez plus imprimer. En plein milieu d'une impression, le fil a arrêté de sortir d'un coup d'un seul, et n'est plus jamais sorti, la roue ne tournait plus. Enfin, la roue crantée, si, mais la roue d'entraînement qui est à côté, elle était complètement coincée, bah, c'est bouché. Hein. Et croyez-moi que pour désengorger le corps de chauffe et la buse, c'est voilà, vaut mieux pas en arriver là en fait. Et cette vidéo, le but de cette vidéo, c'est que vous n'en arriviez pas là. De mon côté, je nettoie le corps de chauffe, je change la buse parce que la buse elle est complètement bouchée, donc j'en mets une neuve. Je relance une impression et je constate de manière un petit peu énervée que le plastique sort moyennement par intermittence, que la roue tourne toujours pas. Alors pourtant la buse est neuve, la roue ne tourne toujours pas. Bah oui, je suis en vitesse d'extrusion 99, donc le plastique, le fil de plastique, il arrive contre la buse et la roue elle continue à tourner et le truc il a même pas le temps de fondre que la roue est encore en train de pousser pour qu'il avance, mais il peut pas avancer. Donc du coup la roue d'entraînement ben, elle s'immobilise en fait. Et pendant ce temps joyeux, moi j'étais en train de me persuader que tout ça c'était parce que le plateau devait être trop près de la buse. On a vu dans les différentes possibilités de sous-extrusion que si le plateau est trop près de la buse, ben, le plastique il a pas la place de sortir. Et donc du coup, bah, il sort pas, ou très peu, ou de manière complètement dégueulasse. Donc j'étais en train d'essayer de régler mon plateau, j'ai mis 4 heures à essayer de régler mon plateau, et c'était, alors, j'essayais trop loin, trop près, tous les réglages de la planète, surtout que le plateau, comme on l'a vu, il se règle en 4 coins, donc c'est peut-être un des 4 coins qui a un souci. Pendant 4 heures, j'ai tenté de faire des réglages de plateau en vain. La roue n'avançait pas, le plastique sortait quand il le voulait bien. Et au moment où je me suis dit, tiens, je vais réparer cette machine avec un marteau, mon cerveau m'a dit, non, attends, reviens à la valeur de vitesse d'extrusion de départ, 83. Et bah c'était ça. C'est si ma roue ne tournait pas, si mon plastique ne sortait pas, c'était simplement parce que mon extrudeur envoyait du fil en plastique à fond dans la buse et que ça tapait contre la sortie de la buse et que ça la bouchait.
accessoirement. Je suis revenu à 83, alors il se trouve que c'était un tout petit peu trop bas, maintenant je suis à 85. Et vous me croirez pas, eh ben le plastique, il est sorti comme en 40, tranquillement. L'impression, elle est nickel. Alors, du coup, j'ai pu régler le plateau. Le plateau s'est réglé en 2 temps 3 mouvements. Il m'a fait une impression magnifique comme j'en avais rarement eu. Bah ouais, parce qu'en fait, ça fait 2 mois que je suis en sous-extrusion compensée par une surextrusion. C'est-à-dire, je me suis mis en position de surextrusion. Et quand j'ai résolu mon souci de ressort, bah, ma surextrusion est devenue visible, réelle et a bouché la buse. Je vous dirai donc, pour conclure, dans l'ordre. Cas numéro 1, vous venez d'acheter la machine. Vous allez faire tout ce que je vais vous dire. Cas numéro 2, vous l'avez déjà depuis longtemps et vous avez ce même souci que j'ai. Dans ce cas-là, il y a une étape supplémentaire à faire au tout début. Si vous avez déjà pas mal utilisé votre machine avec ce souci-là et que vous avez tenté des réglages dans tous les sens, commencez par dévisser la buse, la déboucher si vous y arrivez. Alors, c'est chaud patate, hein, parce que dévisser la buse, il faut le faire quand elle est à chaud, donc à 240 degrés. La buse, elle est placée en dessous, on peut pas la tenir avec la main, donc faut chercher un moyen. Si vous avez une Creality Under 3, n'utilisez pas la clé qui est fournie avec, parce qu'en fait, elle est pas vraiment à la bonne taille, elle sert pas vraiment, et du coup, vous tournez dans le vide. Et il y a plein de joyeux bordel. Et si vous voulez vider la buse, ben faut vous dépêcher parce que la buse, elle va refroidir et le plastique, il va se solidifier. Donc en plus, faut un peu avoir le matos pile poil sous la main. Donc vérifiez la buse. Vérifiez le corps de chauffe, donc le tuyau. Et alors là, c'est chaud patate parce que le tuyau, l'espèce de, on dirait un rectangle qui chauffe et le tuyau passe au milieu. Si le tuyau est bouché, eh ben, soit vous êtes très souple et vous arrivez à voir par en dessous, soit vous dévissez complètement le tout pour pouvoir le mettre bien devant vos yeux et essayer de le vider à chaud, encore une fois, donc à plus de 200 degrés. Tenir un corps de chauffe de 200 degrés tout en essayant de le vider de plastique fondu, voilà, bonne chance. Moi j'y suis arrivé avec des gants de cuisine, oui, parce que c'est chaud donc il faut se protéger, et avec une lime. Je vous explique, le corps de chauffe, mon corps de chauffe était tellement bouché qu'en fait, quand j'ai regardé dedans, j'avais l'impression qu'il y avait une espèce de d'entonnoir, une espèce de filtre qui avait l'air d'être en caoutchouc, un truc comme ça. Et j'ai essayé de pas y toucher, et en fait, c'était pas du tout un filtre en caoutchouc, c'était du plastique. C'est-à-dire que j'avais un entonnoir naturel de plastique fondu qui avait complètement envahi le corps de chauffe, que j'ai sorti en entrant une lime ronde, qui était un plus petite que le corps de chauffe, hein, et en poussant jusqu'à ce que tout ce plastique se barre. Donc commencez par ça, parce que si le problème est là, vous aurez beau tenter des tests de vitesse, de hauteur de plateau, de pression du ressort, de ce que vous voulez, si le corps de chauffe, il est bouché ou que la buse, elle est bouchée, il n'y a rien qui sortira jamais. Si vous avez acheté la machine, bah, fatalement, il n'y a rien dedans, donc du coup, ça peut pas être ça. Voilà l'étape préliminaire, fonction de votre cas de figure. Une fois que c'est fait, vous faites la petite marque au feutre sur la roue d'entraînement, donc la roue qui fait face à la roue crantée, et vous faites une extrusion à vide, c'est-à-dire que vous montez la buse pour vraiment qu'elle soit au-dessus du plateau, que le plateau ne rentre pas en ligne de compte en fait, et vous demandez à votre imprimante de sortir quelques centimètres de PLA. Et vous regardez pas le PLA qui sort, vous regardez la roue qui tourne. Si la roue tourne du début à la fin de manière régulière, sans s'arrêter et sans à-coups, c'est que votre ressort va bien. Si pendant ce test, alors que le plastique est censé couler comme de la merde, la roue de temps en temps s'arrête, c'est que vous avez un souci. C'est que c'est là que se trouve le souci. Et il y a de très grandes chances que le souci, ça soit que le ressort n'appuie pas assez. Auquel cas, vous allez pousser avec votre doigt sur le bras. Vous allez refaire un test, en fait, tout en poussant un petit peu avec votre doigt sur le bras, forcer la roue d'entraînement à bien plaquer le fil plastique. Si ça se passe bien, bah, c'est que votre ressort est trop mou. Et que dans ce cas, il faut arriver à trouver un moyen de glisser quelque chose entre le ressort et le bras pour que le ressort soit un petit peu plus costaud. Si vous faites ça, ou alors si cette impression à vide, là, se passe très très bien avec la buse en l'air, c'est le moment de faire le test de calcul de vitesse d'extrusion. À partir du moment où cette roue, elle tourne tranquillement et normalement avec la buse en l'air, eh ben, demandez à votre machine de sortir 10 cm après avoir fait une marque à 12 cm sur le fil derrière l'extrudeur. Et là, vous verrez la valeur que la machine vous indique comme étant la bonne à rentrer en vitesse d'extrusion. Une fois que vous avez vérifié donc que votre ressort pousse suffisamment,
Une fois que vous avez vérifié que votre vitesse d'extrusion à vide, avec la buse en l'air, est conforme à ce qu'on attend de la machine, il faut régler le plateau. C'est le moment où bah, il faut rapprocher la buse du plateau et il faut faire le truc avec la petite feuille de papier. Je vous assure que la petite feuille de papier, ça ne suffira pas. Il faut fatalement à un moment lancer une impression et regarder la première couche qui s'imprime pour voir si elle vole au-dessus du plateau sans accrocher, ce qui voudrait dire que le plateau il est beaucoup trop bas. Ou alors elle sort, enfin le plastique sort, mais il est vraiment tout fin, trop fin et parfois complètement cassant, auquel cas ça veut dire que le plateau il est trop haut et donc trop près de la buse, et là bah, on tourne de la molette jusqu'à ce que le plastique il sorte lisse, régulier, un petit peu transparent mais pas trop, et surtout uniforme de gauche à droite, de haut en bas. Donc, en général je vous avoue qu'on imprime un rectangle hein, pour vérifier un peu ça. Quand vous lancez cette impression, regardez de temps en temps si la roue d'entraînement tourne. Si la roue d'entraînement tourne bien quand la buse est en l'air et qu'elle tourne plus très bien quand la buse est contre le plateau, ou très proche du plateau, bah c'est que votre ressort il est encore un tout petit peu trop mou, ou que le plateau est un tout petit peu trop près. Si c'est pas le plateau, c'est le ressort. Si c'est pas le ressort, c'est le plateau. Et là, vous allez devoir tester et l'un et l'autre. Et si j'éloigne le plateau, est-ce que ça va mieux? Ou alors, et si je pousse le ressort, est-ce que ça va mieux? Pour savoir si ce qui rentre en jeu, c'est la pression du ressort ou la vitesse d'extrusion, il y a un petit truc que j'ai remarqué, c'est que quand la roue ne tourne plus, si vous relâchez la pression et que vous voyez que le fil il jaillit hors de l'extrudeur, comme un ressort en fait, eh bien ça veut dire que votre souci n'est pas un souci de ressort. Parce que si c'est un souci de ressort, ça veut dire que le fil n'est pas entraîné. Si c'est un souci d'encombrement, de bouchage, ça veut dire que le fil il est quand même entraîné et qu'il est tellement poussé contre la buse que quand vous relâchez la pression, ben le fil, il se libère quoi. Et du coup il revient en arrière. S'il y a ce mouvement de retour en arrière du fil, c'est qu'il y a trop de fil qui est envoyé à la seconde et que votre vitesse d'extrusion est trop élevée ou que votre buse est bouchée. Pour finir, la température. Oui, parce que la température rentre en jeu dans l'extrusion ou la sous-extrusion. C'est vrai qu'une température de chauffe trop basse ne va pas faire fondre le PLA suffisamment vite ou suffisamment tout court. Si vous mettez une température d'extrusion à 140, avant de devoir sortir du PLA, il va s'écouler un certain temps. Mais de base, votre machine va vous proposer une température de 200 degrés pour du PLA, et c'est la bonne température. Si vous imprimez en dessous de 200 degrés, c'est que vous êtes allé modifier la température. Je vous avoue qu'en général, on va pas se le cacher, la sous-extrusion, c'est très rarement un souci de température. Et que monter la température, c'est plus un moyen de contrebalancer une erreur qui est ailleurs. Et ça correspond tout à fait à ce que moi j'ai fait au début. J'avais un souci, je ne suis pas parvenu à identifier le souci, mais j'ai mis en place une mesure de contrepoids qui a marché un certain temps, sauf que quand mon souci s'est résolu, mes mesures de contrepoids, elles ont joué contre moi. Si vous êtes sur un bateau et qu'il penche à droite et que vous mettez plein de caisses à gauche, le jour où ce qui fait qu'il penche à droite s'en va, vous avez plein de caisses à gauche et du coup il penche à gauche. C'est un peu ça l'idée quoi. Dernier éventuel cas de figure, mais je l'aborde vraiment à la fin parce que faudrait vraiment chercher pour en arriver là. Quand vous découpez votre objet 3D, vous avez, quel que soit le slicer que vous utilisez, sur le côté des tas de paramètres. Et alors évidemment, si vous allez trifouiller les paramètres pour entrer n'importe quoi, ça a un impact sur la machine. Si vous allez dans les paramètres dire que vous voulez une température basse et une vitesse d'impression méga rapide, la machine elle va le faire, hein, alors qu'en fait, si la machine était intelligente, elle vous dirait non, ça marchera pas, mais vous lui ordonnez d'imprimer deux fois plus vite et deux fois moins chaud, elle va tenter, et ça ne marchera pas. Voilà, je veux dire, tous les paramètres qui sont plus ou moins par défaut dans les slicers sont intelligents. N'allez dedans que quand vous savez vraiment ce que vous faites. J'ai l'impression que beaucoup de gens qui ont des soucis d'impression, qui font ces vidéos et ces photos super rigolotes qu'il y a sur internet d'impression ratée à moitié fondue, complètement bizarre. Je vous disais, j'ai l'impression que tous ces gens ont ces soucis parce que ils se sont mis à triturer les réglages de la machine. Ils veulent gagner des heures d'impression, donc ils augmentent la vitesse, ou ils augmentent la chaleur, ou ils réduisent ceci. Et du coup, ça n'a pas l'effet voulu. Au final, quand je regarde Macrality Under 3, et que je regarde les réglages, mis à part 2 points de plus en vitesse d'extrusion, passer de 83 à 85, tout le reste est par défaut. La température du plateau, c'est celle par défaut. La température de la buse, c'est celle par défaut. La vitesse d'extrusion, c'est plus ou moins celle par défaut. Et le résultat sort, mais juste, il faut le temps. C'est marrant parce que c'est un peu la conclusion que j'en tire à la fin, et c'est le propos que j'avais dans la vidéo d'avant, c'est que tout est encore une fois une question de temps. Et qu'en essayant d'en gagner ou de trouver des petites astuces à la mort moelle-neuve pour en gagner, vous allez plus créer des soucis. Vous allez peut-être même pas voir d'où vient le souci, vous allez essayer de le régler de la mauvaise façon, ce qui va créer un autre déséquilibre. C'est vraiment un mikado. C'est un mikado, et quand vous essayez d'enlever un truc du mikado, vous avez quand même énormément de chances de faire tomber tout le tas de mikado. Me voilà donc à la fois triste et heureux. Alors heureux
heureux parce que j'étais prêt à balancer cette putain d'imprimante parce qu'au bout de 4 heures, ne pas arriver à faire une impression correcte, ça commençait à... Voilà. Au final, tout s'est réglé en une seconde avec ce retour à la vitesse d'extrusion initiale. Et tout se passe bien. Et quelque part, je m'en veux d'avoir passé ces 2 mois à essayer de... modifier ceci à droite, modifier ceci à gauche, et ne pas avoir vu qu'au final, c'était ma décision de départ qui posait souci. Alors, ça m'avait déjà traversé l'esprit, et je l'avais un petit peu baissé, mais le problème, c'est que je l'avais baissé que de quelques points, et c'est pas suffisant. J'étais à 99, alors j'avais essayé 95, mais si le bon chiffre, c'était 85, 95, j'étais quand même beaucoup, beaucoup trop. Et en plus de ça, il a fallu un petit peu de patience, parce que quand je suis revenu à 83, il a fallu le temps de vider le corps de chauffe et la buse de toute la merde qu'il pouvait y avoir dedans. Donc j'ai imprimé un truc, n'importe quoi, voilà. Le truc s'est imprimé, et l'impression que j'ai lancée par la suite, elle est sortie d'un coup d'un seul absolument nickel. Voilà, c'était mon... Comment dire ? C'était ma crise de nerfs d'hier. Ouais, hier matin, j'étais vraiment pas très jouasse. Et en même temps, qui se finit plutôt bien, puisque c'est reparti comme en 40, et ça tombe bien parce que j'ai un ou deux projets assez rigolos qui concernent cette imprimante, que vous verrez sur la chaîne, bien sûr. Mais je vous en parlerai quand il sera temps. Allez les cadavres, bon jeu à vous, ou que vous jouiez, parce que c'est ça que je dis en fin de vidéo. Rendez-vous peut-être in-game. Ciao les cadavres.